Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. À toi. Oh, ressuscité, oh, ressuscité, entre la victoire pour l'éternité, à toi la gloire. La gloire, oh ressuscité, oh ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, brillante lumière, l'ange descendu, l'ange descendu, il roula la pierre du à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité, à toi la victoire. Témoin fidèle, le premier, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. Pour Dieu son Père. Apocalypse 1:5. Le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des
des siècles. Amen. On peut acclamer le Seigneur Dieu. Avant tout, élever la voix. Amen. Pour bénir le nom de l'Éternel. Amen. Nous allons lui dire merci pour la grâce qu'il nous a accordé d'être encore de nous ce matin. Amen. Depuis que je suis venu ici, j'ai découvert, je n'ai jamais fait attention à cela. Psaume 3, verset 6. Il dit, je me couche, je m'endors et je me réveille. Et je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Selon ce passage, nous allons bénir le nom de l'Éternel. Amen. Père éternel, Elohim, Adonai, dans ta parole, selon le livre de Psaume 3, au verset 6, il est dit, je me couche et je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Elohim, nous bénissons ton nom ce matin. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom ce matin. Toi qui as permis que nous puissions nous réveiller. Toi qui nous as fait la grâce, Seigneur Jésus-Christ, d'être vivant ce matin. Toi qui nous as permis de nous coucher, de nous réveiller. Nous te bénissons, nous louons ton nom ce matin. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et honneur te soient rendus, Elohim. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci pour ta protection. Merci d'avoir veillé sur nous durant le cours de la nuit. Merci d'avoir pris soin de ton église, de tes brebis, de tes serviteurs, de tes servantes. Merci d'avoir gardé, Seigneur, tes diacres et tes diaconesses. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, d'avoir gardé tes intercesseuses, d'avoir gardé tes apôtres, tes pasteurs, tes prophètes, tes docteurs ainsi que tes évangélistes. Merci d'avoir veillé sur tes prophétesses. Gloire et honneur te soient rendus. Gloire et honneur te soient rendus. Merci pour tout cela. Seigneur, tous tes appelés, tes intercesseurs qui s'impliquent de corps, de l'âme et de l'esprit dans ces 21 jours de jeûne et dans ces 40 jours de jeûne. Merci de les fortifier. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir protégé hier d'un accident. Honneur et gloire te soient rendus, Seigneur. Béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui veille sur nous, celui qui prend soin de nous, celui qui ne sommeille point, qui ne dort point, celui qui de sa droite triomphante défend ses brebis. Seigneur, nous honorons le nom du Dieu vivant. Nous bénissons ton nom Elohim, nous bénissons ton nom Adonai, nous t'élevons pour ta grâce et pour tes multiples bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur Jésus, que le règne, la puissance et la gloire te soient rendus. Amen. Lorsqu'on a lâché les appareils, le vidéoprojecteur et l'écran géant, alléluia, amen. Alléluia, oui c'est bon. Hier, lorsqu'on allait, maman Christiane, on a lâché le matériel, le vidéoprojecteur et l'écran géant. Arrivé au carrefour de la rue 12 à Trècheville, à Abidjan ici, pendant que je conduisais, j'étais arrivé au carrefour, il y a le feu, et il y a une moto qui est venue couper devant moi. J'étais à deux doigts de l'écraser parce que je roulais quand même à plus de quoi, entre 80 et 100 km à l'heure. Alléluia. Et n'eût été la grâce de Dieu, je le prenais. J'ai eu le temps de freiner. Un autre véhicule est venu passer devant moi. J'ai eu le temps de braquer le véhicule à gauche. Et je voudrais dire merci au Seigneur Jésus. C'est venu juste après. Juste après que l'apôtre Paul m'a appelé pour dire qu'on a une bien-aimée qui a eu un songe où elle s'est retrouvée dans un grand village où Lucifer était en train de battre des gens morts. Et puis il lui disait, mais comment vous avez permis que l'apôtre Abraham ait eu à proclamer les 40 jours et les 21 jours de jeûne et personne ne l'a empêché de le faire. Surtout que c'était un jeûne mondial. Et le Seigneur était là, avec le visage d'un arabe qui lui disait, regarde, c'est Lucifer. Alléluia. Donc c'est après qu'il m'ait rendu le témoignage que qu'on a fait l'accident quand même fou. Alléluia. Et donc je voudrais dire merci au Seigneur Jésus qui nous a épargnés. Sinon hier, peut-être qu'ils allaient apprendre que j'ai tué quelqu'un et que j'étais en prison, les gens avaient détruit la voiture et tout ça. Donc j'aimerais rendre grâce au Seigneur Jésus, lui qui a permis que cet accident n'arrive pas et qu'il n'est pas mort d'homme, mais qu'on s'en tire sain et sauf. Alléluia. Donc voici le témoignage que j'aimerais rendre au Seigneur ce matin. Amen. Père éternel, il est dit dans ta parole, selon les livres de Psaume 34, au verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Seigneur, l'ennemi est encore déchaîné contre ma personne. Elohim, l'ennemi est encore déchaîné contre ma personne. Seigneur, ils vont finir avec moi. Mais Seigneur, tu as été là. Tu étais là pour veiller sur ma vie. Tu étais là pour veiller même sur la vie de cette personne étrangère que j'ai failli écraser. Tu étais là pour veiller sur nous lorsque on a failli encore rentrer dans un véhicule. Seigneur, tu étais là et tu n'as point permis que le malheur ne nous atteigne. C'est pourquoi
L'Éternel, mon Dieu, m'aura de volonté d'une merci. Nous bénissons ton nom, toi qui nous as préservé de la mort, toi qui nous as préservé d'un accident, toi qui nous as gardé dans le creux de tes mains, toi qui nous as préservé à bras triomphants. Seigneur, nous voulons te dire merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce puissant témoignage. Merci pour ta protection. Merci de nous avoir épargné de cet accident grave qui allait se solder par un mort. Seigneur, et par des blessés. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire et honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Alléluia. Namia ya dawase. Namia ya yowopo. Namia ya so. Afafanga afamaye. Afango afamaye. Leke kwatu me yokula afamaye. Namia itio ya yowomo. Son fin de tarawo. Son fin de bukawo. Son fin de tarawo namia. Be fleur Yesu. Be fleur Adonai. Be fleur Eli. Be fleur Yahweh Nissi. Mes frères Yahweh Sikenu, mes frères Yahweh Adonai, mes frères Yahweh Elohim. Yemem yeklowo. Yemem yeklowo. Yeklowo tala ye janvremo. Yeklowo tala ye wamo. Yeklowo tala liket kwati ma femme marié itio. Ngemoka, miye wamo. Ngemoka, nyamya miye wamo. Oh. Yemya ye ye wamo. Itio. Ni makan liki koma kan kleon. Asida unyem nyemidia. Asida unyem nyemidia. Asida unyem nyemidia. Mi tu midia ayawa bien mamem. Asida unyem nyemidia. Asida unyem nyemidia. Asida onyem nyemidia, ni tu midia ayawa bia mame. Alleluia, mo ayawa bia mame. Mo ayawa bia mame. Mo ayawa bia mame. Mi tu midia ayawa bia mame. Mo ayawa bia mame. Mo ayawa bia maye. Mo ayawa bia mame. Mi tu midia ayawa bia mame. Mo ayawa bia mame. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. 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 Jésus. La Bible déclare selon le livre de 1 Jean, le chapitre 1, le verset, une lettre pour très certifier là. Si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle de te les pardonner. Alléluia. 1 Jean 1, verset 9. Alléluia. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Alors nous allons prendre la position qui convient ce matin. Gloire à Jésus. D'humilité. Amen. Pour confesser devant le Père, devant le Roi, le Saint des Saints, nos péchés ce matin. Quand nous allons au verset 8, il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, Nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever simplement ta voix alors que tu es prosterné.
pouvoir confesser tes péchés, ces péchés que tu désignes de mien, ce que tu ne cesses de faire, ce qui revient chaque jour, et toi-même tu sais que cela ne confesse pas le nom de l'Éternel, mais tu n'as jamais prié pour qu'il t'en délivre, mais tu tombes toujours dans ce même péché. Tu vas dire, Seigneur, voici je le dis que c'est, aide-moi ce matin. Je lui confesse devant toi. Je viens déclarer une fois encore ma faiblesse. Oh Seigneur, pardonne-moi. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu de miséricorde, je viens en toute humilité devant toi ce matin. Je te prie, Père, de me pardonner. Seigneur Jésus, de me pardonner pour l'orgueil, pour la vanité, pour l'idolâtrie, pour les jeux vidéo, pour les jeux de hasard, pour les chichas, pour la drogue, pour la cigarette, pour le mensonge, pour les extrapolations, pour l'adultère, pour l'infidélité. Seigneur, pour la masturbation, pour la pornographie, pour la prostitution, pour la jalousie, pour les clameurs, pour les plaintes. Éternel, mon Dieu, mon roi, pour les éclats de voix. Seigneur, pour la violence physique et pour bon nombre de choses semblables. Je te prie de me pardonner. Seigneur, je suis un pécheur, le pire qui ait pu exister de toute sa génération. Seigneur, je suis un hypocrite, double dans ce que je fais. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de me pardonner. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir compassion de mon âme. Seigneur, je te prie d'avoir compassion de moi. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir compassion de moi. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir pitié de mon âme et de me pardonner. Oh Seigneur, Jésus, je ne veux pas aller en enfer. Seigneur, je ne veux pas qu'on se perde. Seigneur, je ne veux pas que tes brebis que tu m'as confiées se perdent. Je ne veux pas que tes collaborateurs que tu m'as confiés se perdent. C'est pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions de nous accorder ton pardon. C'est pourquoi, Elohim, nous te prions de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses, nos turpitudes et nos iniquités. Pardonne-nous toutes ces choses que nous faisons et qui ne nous pointent ton nom, Papa. Oh, pardonne-nous pour la vaine gloire, pour la vanité, pour la mondanité. Oh, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, aie compassion de nous, de ma famille en Christ. Aie pitié de ton Église. Oh, Seigneur, ne nous détourne pas ta face. Seigneur, ne nous détourne pas ta face. Ne nous livre pas entre les mains de l'adversaire. Oh, ne nous laisse pas dans la fosse, mais retire nos âmes de la fosse. Aie compassion de nous. Oh, Seigneur Jésus, lave-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Oh, pardonne-nous pour la colère. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour le vol, pour le mensonge, pour l'insoumission, pour la rébellion. Pardonne-nous pour toute forme d'infidélité, pour le manque de respect de nos vœux. Seigneur Jésus-Christ, Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous élevons la voix vers toi. Ce matin, Adonai, nous élevons la voix vers toi et nous te supplions. Seigneur, nous te supplions de ne point détourner ta face vers nous. Nous te supplions de ne point te boucher les oreilles à nos supplications. Nous te prions de ne point, Seigneur, retirer ta face de nous. Mais Seigneur, aie compassion de nous. Elohim, aie compassion de nous. Saint-Esprit de Dieu, aie compassion de nous. Seigneur Jésus-Christ, aie compassion de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, aie compassion de nous. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir compassion de nous et de nous pardonner pour nos fautes, pour nos turpitudes et pour nos iniquités. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Seigneur, compassion de nous. Par le nom de Jésus, nous avons imploré une miséricorde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix. Remplis ma vie pour Ami Esprit. Le sang de Jésus. Ok. Tu vas élever ta voix, tu vas réclamer que le sang de Jésus inonde dans ta vie. Alléluia. Que le sang de Jésus inonde, Seigneur, que le sang de Jésus inonde chacun de nous. Amen. Au nom de Jésus. Père éternel, tu as dit dans ta parole, selon Isaïe 1, verset 18, venez et plaidons, si vos péchés sont comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. S'ils sont rouges comme de la pourpre, je les rendrai purs comme l'hysope. Seigneur, je prie que ton sang lave nos robes, que ton sang lave la robe de toutes tes brebis, que ton sang lave les robes de tous tes serviteurs. Elohim Adonai, nous élevons la voix ce matin et nous prions cet Esprit de Dieu afin que ton sang nous lave, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous lave de tout péché.
Que ton sang nous lave de toutes sortes de turpitudes et d'iniquités que nous avons. Seigneur, nous prions afin que ton sang nous lave. Nous prions afin que ton sang, Seigneur Jésus, nous purifie. Que le sang de Jésus nous lave de toutes sortes de péchés que nous avons dans nos cœurs, dans nos membres et dans nos pensées. Que le sang de Jésus nous lave de toutes sortes de péchés que nous avons en nous. Seigneur Jésus, lave-nous. Lave-nous de la colère, de la rébellion, de l'insoumission. Lave-nous du mensonge, des extrapolations, des faux témoignages. Lave-nous de la jalousie, du leadership, du mépris. Lave-nous de l'infidélité, de l'adultère, de l'impudicité. Lave-nous des clameurs, de l'idolâtrie, de la sorcellerie. Lave-nous des calomnies, de la médisance et des critiques. Lave-nous éternellement, Dieu mon roi, des jeux vidéo, des jeux de hasard, de pronostics. Lave-nous de la cigarette, de la drogue. Lave-nous éternellement, Dieu mon roi, des chichas. Lave-nous de toute addiction, de toute mauvaise passion. Il est dit dans le livre de 2 Timothée 2, éternellement Dieu mon roi, verset 22, fuis les passions de la jeunesse, Seigneur, et recherche le Seigneur d'un cœur pur. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang nous lave. Elohim, que ton sang nous lave. Adonai, que ton sang nous lave. Abba Père, que ton sang nous lave. Saint-Esprit de Dieu, que ton sang nous lave. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave de toutes sortes de péchés que nous avons dans nos cœurs, dans nos membres et dans nos esprits. Que ton sang nous lave, Seigneur Jésus. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave, Seigneur. Que ton sang nous lave, Elohim. Que ton sang nous lave, Adonai. Que ton sang nous lave de toutes sortes de péchés que nous avons dans nos membres. Seigneur Jésus, lave-nous. Seigneur Jésus, lave-nous. Éternellement, Dieu mon roi, purifie-nous. Seigneur, lave-nous de toutes sortes de péchés que nous avons. Je blanc, le blanc neige, je lave dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige, blanc que la neige, blanc. Blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Je vais donner tout ce qui ne confesse pas le nom de l'Éternel, par le feu brûlant. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'agneau de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens. Nous avons besoin de toi.
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Père, reçois la gloire, reçois la gloire. Oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens. L'Esprit de Dieu me dit de lui adresser cinq cantiques, amen, qui consiste à adorer le Saint-Esprit, qui consiste à inviter son Esprit Saint. Quelque chose va se passer avant le cinquième cantique. Amen, chacun de nous va donner un cantique. Amen, mais il faut que ce soit cinq cantiques. Amen, alléluia, où nous invitons l'Esprit de Dieu à être au début et à la fin de ce moment, où nous invitons l'Esprit de Dieu à prendre le contrôle de nos âmes, où nous contemplons sa gloire, où nous lui demandons d'être là et de nous conduire selon sa dispensation. L'Esprit de Dieu, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu. Maintenant, c'est votre ici. Parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, il vient, oh oui, il vient, oh oui, il vient, oh oui, il vient. C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Depuis un moment, on a commencé à devenir paresseux. On s'assoit pour adorer Dieu. C'est pas normal. Oh oui, il vient. 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 Nous avons besoin de toi. 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 Oh oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Adoration dans ton nous avons besoin de toi. 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 Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu, 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 pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, je le vois assis sur son trône. Je le vois et je le vois assis sur son trône. Je le vois et je le vois. Je le vois assis. Je le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, 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 assis sur son trône. Je le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois et je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois et je le vois, je le vois, assis sur son trône.
le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je veux voir Jésus, je le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je veux voir mon Sauveur, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je veux voir son salut, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois, assis. Je le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Pendant que tu as mangé, je suis à l'honneur du Seigneur Jésus. Je le regarde son feu est en train de descendre tout doucement en ce lieu. Assis son feu, son sa présence est en train de se manifester tout doucement en ce lieu. Le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu d'autorité, lui qui a fait les cieux et la terre, le Dieu de la pureté, de la sainteté, de la justice, le Dieu de vérité, le Dieu de sagesse, fait son entrée au milieu de nous. Je le vois. Je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois, je le vois, assis sur son trône. Je le vois, je le vois. Quand on baisse la voix, ça veut dire que quelqu'un doit prendre le silence. Je le vois. Je le vois, je le vois, assis sur son trône. Dit à Jésus que la gloire lui revient, la gloire lui revient, la gloire lui revient. Dit à Jésus que. Dit à Jésus que la gloire lui revienne, la gloire lui revienne. Dit à Jésus que. Dit à Jésus que la gloire lui revienne, la gloire lui revienne. Jésus que, dit à Jésus que, la gloire de, la gloire lui revienne. Dit à Jésus que, la gloire lui revienne, la gloire lui revienne. Dit à Jésus que, dit à Jésus que la gloire lui revienne, la gloire lui revienne, gloire lui revienne. Dit à Jésus que, dit à Jésus que la gloire lui revienne. La gloire lui revienne, la gloire lui revienne. Dit à Jésus que, dit à Jésus que, la gloire lui revienne, la gloire lui revienne, la gloire lui revienne. Dit à mon Sauveur, dit à mon Sauveur, la gloire lui revienne, la gloire lui revienne. Dit à mon Sauveur, dit à mon Sauveur, la gloire lui revienne, la gloire lui revienne, la gloire lui revienne. De gloire et sa majesté est infinie, il est assis sur son trône.
est majestueux, il est beau, il est fort, il est le prince de notre salut, car toi nous lis à point de salut, que nous l'aimons et que nous voulons nous soumettre à sa volonté. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut élever la voix pour célébrer Dieu? Bouddha, élève la voix et bénis le nom du Seigneur Jésus. Les anges l'adorent d'éternité en éternité, car il est infini. Il s'appelle l'Alpha et l'Alpha et il s'appelle l'Oméga. L'Oméga. Il s'appelle Rabbi. Rabbi. Il s'appelle Elélia. Changer, tu restes même. Alpha et Jésus, tu y es. Oméga. Tu n'as pas changé, tu restes même. Alpha et Jésus, tu y es. Oméga. Dans ma vie, tu y es. Alpha et dans mes études, tu y es. Oméga, dans ma demeure, tu y es. Alpha et dans mon commerce, tu y es. Oméga, dans cette mission, tu y es. Alpha et Jésus, tu y es. Oméga, tu n'as pas changé, tu restes même. Alpha et pas changé, tu restes même. Alpha et mon sauveur, tu y es. Oméga. Dans mon travail, tu y es. Alpha et ce ministère, tu y es. Oméga. Dans mon commerce, tu y es. Alpha et dans mes projets, tu y es. Oméga, tu n'as pas changé, tu restes le même. Alpha et Jésus, tu y es. Oméga, tu n'as pas changé, tu restes le même. Alpha et Jésus, tu y es. Oméga, Jésus, tu y es. Alpha et Alpha, Jésus, tu y es. Cette maison, tu y es. Alpha et en un chef, tu y es. Oméga. En Nicolas, tu y es. Alpha et en Rebecca, tu y es. Oméga. En Israël, tu y es. Alpha et en Gédéon, tu y es. Oméga. En Sarah, tu y es. Alpha et en Michée, tu y es. Oméga. En Abraham, tu y es. Alpha et Papa Jésus, tu y es. Oméga. Alpha et Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour éduquer l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un, avec puissance, peut élever la voix pour demander au Seigneur de venir en ce lieu et de nous diriger selon son plan divin? Seigneur, nous te louons, Esprit de Dieu, Seigneur, au Père, viens, Esprit de Dieu, Seigneur,
que le Seigneur Seigneur de Jésus et la terre était informe, elle fuit, Seigneur Jésus. Nous avons. Oh, adorable Seigneur, il y avait des ténèbres à la souffrance des sauts, Seigneur Jésus. Mais l'Esprit de Dieu s'est ouvert, Seigneur Jésus. Fais descendre ton feu sur notre terre ce matin, Père. Fais descendre ton feu
sur nos têtes ce matin, Jésus-Christ. Fais descendre ton feu sur nos têtes ce matin, Père. Fais descendre ton feu sur nos têtes ce matin, Seigneur. Fais descendre ton feu sur nos têtes ce matin, Jésus-Christ. Oh Père, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous voulons être l'esclave de l'évangile vivant. Nous voulons être l'esclave de l'évangile vivant, Seigneur. Nous voulons être l'esclave de l'évangile vivant, Seigneur. Oh Père, nous apportons notre vie dans tes détails, Seigneur. Car sans toi, nous sommes rien, Père. Car sans toi, nous sommes rien, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Que nous conduis son matin, Seigneur. Que nous quittons son matin, Seigneur. Marche, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de nous, Seigneur. Marche au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Toi qui es la vie, Seigneur. Toi qui es la vie, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es la vie, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père, Seigneur, notre espoir, c'est toi, Seigneur. C'est notre espoir, Jésus-Christ. C'est notre espoir, c'est tout pour nous, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom ce matin. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Les vétérans veillards, Seigneur, c'est que je t'aime devant ta face. Et lui, Saint, le Dieu tout-puissant, lui qui était, lui qui est, et lui qui vient, Seigneur Jésus. Saint, le Dieu tout-puissant. C'est le moment. Nous voici ce matin. Nous avons besoin. Nous voici ce matin. Que la gloire soit toi, Seigneur. Alléluia. Nous Jésus. On amène toutes les épées. Okay. Alléluia. Il est dit dans les Saintes Écritures que les plus forts dans la foi intercèdent les plus faibles. Amen. Beaucoup sont affaiblis. Amen. Beaucoup travaillent et le moment du jeûne les éprouve. Amen. On était même tenu même d'alléger le jeûne parce que cette semaine en principe est à haut. Or, beaucoup mènent des activités qui nécessitent de la force physique. Alléluia. Amen. Le Seigneur a commencé à visiter beaucoup. Beaucoup ont commencé à recevoir leur délivrance. On commençait à recevoir la visitation du Saint-Esprit. On commençait à recevoir les guérisons. Alléluia. Or, nous sommes au début de ce moment de jeûne. Alléluia. C'est pourquoi tu viens lever la voix. Et tu vas demander au Seigneur Jésus de soutenir tous ses serviteurs et toutes ses servantes qui ont pris ce moment de jeûne. Qu'ils soient avec eux. Le jour de la veillée, l'Esprit de Dieu nous a promis qu'il allait se manifester puissamment pendant ces 21 et ces 40 jours de jeûne. Il a dit plusieurs seront guéris, plusieurs seront délivrés, plusieurs seront restaurés. Alléluia. Il a dit plusieurs vont témoigner de sa bonté. Amen. Et c'est pourquoi ceux qui sont concernés par ce moment, on va demander au Seigneur de leur donner de prendre réellement ce moment au sérieux, de véritablement s'engager. Amen. Et quand ils sentent des faiblesses, qu'ils demandent au Seigneur de les fortifier. Et surtout qu'ils ne trichent pas. Amen. Qu'ils ne trichent pas. Alléluia. Amen. Et qu'ils aillent jusqu'au bout, parce que nous savons que Dieu est le Dieu des épreuves. Amen. Nous savons qu'à la fin de l'épreuve, il y a une récompense. C'est pourquoi tu veux élever la voix et tu vas demander au Seigneur de fortifier ses serviteurs, ses servants de par le monde, de se révéler à eux et de manifester sa puissance au milieu d'eux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour ce matin, Dieu puissant. Seigneur, je te remercie pour ce moment, Seigneur. Tu bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ, Adonai, fortifie tes enfants. Père éternel, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions, Seigneur Jésus, de te souvenir de tous tes serviteurs et de toutes tes servantes, Seigneur, qui se sont engagés dans les 40 jours et dans les 21 jours de jeûne. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions d'être avec eux. Nous te prions de les soutenir, de les fortifier. Nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, de te manifester puissamment au milieu d'eux par la guérison, par la délivrance, par la restauration. Éternel, mon Dieu, mon roi, par le baptême du Saint-Esprit, par le baptême de feu, et par plusieurs prodiges et par plusieurs miracles. Dieu de puissance, Seigneur, soutiens-les. Dieu de force, soutiens-les. Seigneur Jésus, soutiens-les. Éternel, mon Dieu, mon roi, soutiens-les. Éternel, mon Dieu, mon roi, fortifie tes serviteurs. Oh Seigneur, sois avec eux. Seigneur, donne-leur de ne point renoncer. Donne-leur de ne point abandonner. Donne-leur, Seigneur, celles qui ont commencé déjà et qui se préparent à achever les 40 premiers jours de jeûne. Fortifie-les et qu'elles arrivent jusqu'à la fin de ce moment. Oh Seigneur, délivre tes enfants. Seigneur, dont les démons étaient attachés à leur vie, dont les démons étaient collés à eux, dont les démons, Seigneur Jésus-Christ, les jetaient dans le tourment, les jetaient dans bon nombre de péchés. Seigneur, délivre tes enfants pendant ce moment. Éternellement, Dieu, mon roi, manifeste ta puissance, ta grâce durant le long de ce moment de jeûne. Oh Seigneur, visite puissamment tes serviteurs et tes servantes. Visite puissamment tes serviteurs et tes servantes. Enseigne-les. Enseigne-les. Enseigne-les tes mystères. Enseigne-les tes mystères, éternel, mon Dieu, mon roi. Révèle-toi puissamment à eux. Nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, de te révéler puissamment à eux. Encadre-les.
Conduis tes serviteurs, tes servantes. Agis, Seigneur Jésus-Christ. Agis, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ta puissance. Elohim, manifeste ta puissance. Oh oui, Seigneur, nous élevons la voix vers toi. Et nous te prions de te manifester puissamment. Nous te prions, Seigneur Jésus, de te manifester puissamment au milieu d'eux. Oh Seigneur, manifeste-toi puissamment au milieu de tes enfants. Pendant ces 40 jours, ces 21 jours de jeûne. Oh Seigneur, guéris-les, délivre-les, restaure-les. Seigneur, manifeste ta puissance de gloire au travers d'eux. Oh, donne-leur, Seigneur Jésus, d'être réellement convertis pendant ces 40 jours de jeûne. Donne-leur d'être réellement convertis pendant ces 21 jours de jeûne. Sois avec eux. Sois avec eux, Elohim. Oh, sois avec eux, Harunai. Sois avec eux, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, agis. Père éternel, agis. Père éternel, agis au milieu d'eux. Seigneur, lors de ces 40 jours de jeûne, brise-les. Lors de ces 21 jours de jeûne, brise-les. Oui, Seigneur, nous te prions de les briser. Nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, de les briser et de les transformer. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de les briser et de les transformer. Éternel, mon Dieu, mon roi, transforme-les. Nous voulons voir que le Seigneur t'a même façonné Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, brise-les. La gloire ce matin, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, élevé soit glorifié, Adonai, et que toute la gloire soit donnée à ta sainteté, dans le nom tout suprême de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Elohim. Merci, Adonai. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, fortifie tes serviteurs. Soutiens tes servantes. Et brise-les. Seigneur, convertis-les réellement pendant cette longue période de jeûne. Sois avec eux, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Quelqu'un prend son épée dans le livre de Jean 9. Verset 1 à 6. Jean 9, verset 1. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Amen. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Après avoir dit cela, alléluia, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Amen. Puis il appliqua cette boue sur ses yeux. Amen. Sur les yeux de l'aveugle. Amen. Continue. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Amen. Nom qui signifie envoyé. Alléluia. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Alléluia. Amen. Il alla et s'en retourna voyant clair. Assurément, lui, ce n'est pas un Ivoirien. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a encore des choses que tu ne sais pas. Amen. Il y a encore des choses que tu ne vois pas. Il y a encore des péchés qui sont dans ta vie. Et donc, tu n'as même pas connaissance. Je me rappelle que dans nos débuts, le Seigneur nous avait dit, demandez-moi de vous révéler les choses cachées. Et je vais vous révéler. Parce qu'il y a encore des péchés en vous, mais dont vous n'avez pas conscience. Et ce jour-là, lorsqu'on a prié, la même nuit, le Seigneur est venu nous visiter. Il m'avait montré dans mes placards que j'avais encore des vêtements mondains. Amen. Moi qui pensais que je m'étais débarrassé de tout. Amen. Et le matin, j'ai fait sortir tous mes vêtements mondains. À l'époque, on avait fait même des photos, des vidéos. Et je les ai déchirés. Amen. Il m'a dit, tu as vu mon fils? C'est vrai, tu fais mon œuvre. Mais à cause de ces vêtements mondains, si tu mourais, tu ne me verrais pas. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu étais aveugle. Alléluia. Tu ne voyais pas. Tu me servais, mais tu étais aveugle. Amen. Cet aveugle était israélite. Amen. Il était à Jérusalem. Amen. Et quoique, naturellement, les Israélites avaient la grâce de connaître Dieu, mais lui, il était aveugle. Il ne voyait rien. Il ne savait rien. Il était tout le temps assisté. Amen. C'est comme ça que beaucoup parmi nous sont encore aveugles. Dépouillés, mais encore aveugles. Ignorant qu'il y a encore des choses qui peuvent les empêcher d'aller au ciel. Amen. Ignorant que l'envoyé qui est si loué, qui est Jésus-Christ de Nazareth, ne leur a pas encore révélé certaines choses qui concernent leur vie. Amen. C'est pourquoi il faut savoir que la marche chrétienne
n'est pas une fin en soi. Amen. Tous les jours, nous apprenons. Tous les jours, nous découvrons. Tous les jours, nous nous repentons. C'est pourquoi tu vas déclarer. Tu vas demander au Seigneur Jésus de te révéler encore des choses qui sont dans ta vie, qui peuvent te conduire en enfer, qui peuvent te jeter dans le tourment, qui peuvent te jeter dans le feu de la géhenne. Alléluia. Amen. Ça peut être un péché caché. Ça peut être un péché que tu ignores. Ça peut être quelque chose que tu fais qui pour toi semble être naturel, mais en fait, qui est un péché. Prenons le cas de la Noël. Plusieurs fois, nous avons enseigné que la Noël n'est pas une fête chrétienne. Mais comme les hommes sont habitués à pécher, ils pensent que maintenant le péché est quelque chose qui plaît à Dieu. Quand ils entendent la vérité, ils sont choqués et disent que la vérité est un mensonge. Moi, à l'époque, je me déguisais en Père Noël. Amen. Et je pensais rendre service à Dieu. Or, je ne savais pas que je combattais l'œuvre de Dieu parce que je me faisais menteur. Amen. Or, nous savons que l'âme de celui qui pêche est celle qui... Alléluia. Donc, tu vas élever la voix et tu vas demander au Seigneur qu'il te guérisse, comme il a guéri cet aveugle, qu'il a pris de la boue et qu'il a malassé avec sa salive et qu'il l'a mis dans les yeux. Et il a demandé d'aller se laver. Et lorsqu'il est revenu, la Bible dit qu'il a vu. Amen. Il faut que toi aussi, tu ailles, tu laves tes yeux, que tu ailles te laver et que tu vois. Amen. Afin que jamais tu ne te corromps dans le péché. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, donne-moi la vue. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la vue. Elohim, Adonai, je te prie de me donner la vue. Saint-Esprit de Dieu, donne la vie à ton serviteur. Seigneur, je suis aveugle. Je ne sais pas grande chose. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de m'ouvrir les yeux sur ces péchés que je commets et dont je n'ai pas conscience. Révèle-moi le péché conscient. Révèle-moi le péché conscient qui me s'est attaché à ça. Seigneur, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons. C'est pourquoi je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de nous révéler tout ce qui peut m'empêcher. Tout ce qui peut empêcher tes serviteurs, tes servantes dans le ciel. Seigneur, révèle-nous toute forme de péché dont nous n'avons pas conscience dans notre vie et qui peut nous empêcher d'aller au ciel, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, ouvre nos yeux spirituels. Elohim, ouvre nos yeux spirituels afin que nous ayons la vue. Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos yeux spirituels. Éternel, mon Dieu, mon roi, ouvre nos yeux spirituels. Elohim, Adonai, nous te prions d'ouvrir nos yeux spirituels afin que nous ayons la vue et que nous réalisons le type de péché caché que nous faisons consciemment et qui peuvent nous conduire dans le feu de la gêne. Oh Seigneur, donne-nous la vue comme tu as donné la vue à cet aveugle. Elohim, donne-nous la vue comme tu as donné la vue à cet aveugle. Père éternel, donne-nous la vue comme tu as donné la vie à cet aveugle, afin que nous ne nous égarions pas. Afin, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous ne nous égarions pas, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce. Père éternel, fais-nous grâce. Elohim, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux sur ces péchés cachés. Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos yeux sur ces péchés cachés. Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos yeux sur les péchés cachés. Elohim, Adonai, nous te prions de nous ouvrir les yeux sur les péchés cachés dont nous n'avons même pas conscience. Seigneur, utilise ta salive et la boue et passe sur nos yeux. Et donne-nous d'aller nous laver, de revenir afin que nous ayons la vue. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas t'offenser. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas te blesser. Nous ne voulons pas te crucifier une fois de plus par nos péchés inconscients. C'est pourquoi nous te prions de nous les révéler. Nous te prions, Adonai, de nous les révéler. Seigneur Jésus, nous te prions de nous les révéler. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Jean 6, verset 16.
à 21. Amen. Jean 6. Marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Au verset 19. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approcha de la barque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une prière de combat. Amen. C'est une prière de combat, mon bien-aimé. Si le Seigneur Jésus a marché sur les eaux, cela sous-entend que toi aussi tu peux marcher sur les eaux. Et si marcher sur les eaux, c'est marcher sur l'esprit de Jézabel, sur l'esprit de la séduction, sur l'esprit de l'impudicité. C'est marcher sur l'esprit du lesbénage, de la masturbation, de la pornographie. C'est marcher sur l'esprit de la pédérastie, de la pédophilie. C'est marcher sur l'esprit du cunnilingus, de la fellation. C'est marcher sur l'esprit de la séduction. Alléluia. Amen. Si ce péché-là te fatigue encore, tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tel le Seigneur Jésus-Christ. A marcher sur les eaux. Selon Jean 6, verset 19. Moi aussi je déclare. Par la puissance que tu m'as donnée. Je marche sur les eaux. 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 Je marche sur les eaux de la séduction, sur les eaux de l'impudicité, sur les eaux du mensonge, sur les eaux de la nudité, sur les eaux de l'adultère, sur les eaux de la pornographie, sur les eaux de la masturbation. Je marche sur les eaux, je marche sur les eaux, je marche sur les eaux, je marche sur les eaux. Tel le Seigneur Jésus a marché sur les eaux. Selon Jean 6, verset 19, moi aussi, je marche sur les eaux, je marche sur les eaux de l'impudicité, je marche sur les eaux de la masturbation. Je marche sur les eaux de la pornographie. Je marche sur les eaux de la prostitution. Je marche sur les eaux de la débauche. Je marche sur les eaux de la nudité. Je marche sur les eaux de l'adultère. Je marche sur les eaux de la pornographie. Je marche sur les eaux de la nudité. Je marche sur les eaux de la convoitise. Je marche sur les eaux des pensées pures. Je marche sur les eaux de la débauche. Je marche sur les eaux de la pornographie. Je marche sur les eaux du lesbénage. Je marche sur les eaux de la pédérastie. Je marche sur les eaux de la nudité. Je marche sur les eaux des pensées pures. 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 Je marche sur les eaux de la débauche. Je marche sur les eaux de l'impudicité. Je marche sur les eaux de l'iniquité. Je marche sur les eaux de la séduction. Je marche sur les eaux du mensonge. Je marche sur les eaux de l'adultère. Je marche sur les eaux de l'infidélité. Je marche sur les eaux de la séduction. Je marche sur les eaux de la séduction. Je marche sur les eaux de la séduction. Fais avec volonté. Je marche sur les eaux de la séduction. Je marche sur les eaux de l'impudicité. Je marche sur les eaux de la nudité. Je marche sur les eaux de l'infidélité. Tel le Seigneur Jésus a marché sur les eaux. Je prends autorité. Je marche sur les eaux de la séduction. Je marche sur les eaux de la débauche. Je marche sur les eaux de l'infidélité. Je marche sur les eaux de la prostitution. Je marche sur les eaux de la séduction. Je marche sur les eaux du mensonge. Je marche sur les eaux du mensonge. Au nom de Jésus. D'accord. Oh, Jésus est le Dieu. Jésus est. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Jésus est. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu.
Dieu. Jésus est le Dieu. Il est le Dieu. Verset 1 à 2. Jean 6, verset 1 à 2. Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Amen. Une grande foule le suivit. Alléluia. Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alléluia. Amen. Amen. On va élever la voix pour tous ceux-là qui sont malades, qui souffrent, dont la médecine ne peut pas détecter le mal. Dont la médecine, même quoi qu'ils aient détecté le mal, n'arrive pas à traiter le mal. Amen. Nous savons que la main de Dieu commence là où s'arrête celle des hommes. Comme la main de Dieu commence là où s'arrête la médecine des hommes. Alléluia. Amen. Quand on va prier pour les malades, on voit combien de fois ils sont dans le désarroi. Combien de fois, souvent même les gens, certains ont des moyens, mais malgré leurs moyens, n'ont pas un remède dans leur maladie. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas demander au Seigneur sur la base de Jean 6, versets 1 à 2, lui qui faisait des prodiges et des miracles au travers d'Israël, de se souvenir de toutes ces personnes-là qui criaient à lui. Nous avons des personnes même qui étaient des musulmans, mais par la maladie ou à cause de la maladie, ont confessé Christ. Alléluia. On va demander au Seigneur d'avoir compassion d'eux. Et nous savons que, comme le disait l'un des prophètes, on n'a jamais vu le serviteur de Dieu demander de son Père. Que quelqu'un place sa confiance en l'Éternel et demander de son Père. Je vais demander au Seigneur de se souvenir de toutes ces personnes malades qui souffrent le martyre dans leur chair, qui souffrent la douleur dans leur corps et qui n'ont pas remède à leur maladie. On va demander au Seigneur de faire grâce, de les guérir, de les faire sortir de leur lit d'hôpital au nom de Jésus-Christ, prions. Père éternel, Elohim Adonai, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Seigneur, fais grâce. Elohim, fais grâce. Et souviens-toi de tous ceux qui sont malades dans le monde entier. Seigneur, fais grâce. Elohim, fais grâce. Et visite tous ceux et toutes celles qui sont malades. Et Seigneur, qui crient à toi, dont la médecine ne peut rien face à leur maladie. Seigneur Jésus-Christ, toi seul peux les guérir. Elohim, toi seul peux les guérir. Toi seul, Seigneur Jésus, peux leur faire grâce. Seigneur, toi seul peux faire grâce à tes serviteurs et à tes servants. Seigneur, aie compassion et guéris-les.
Seigneur, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce et visite-les puissamment. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Papa, de leur accorder la guérison. Seigneur, aie compassion de leurs âmes. Fais-les sortir de la fosse. Saint-Esprit de Dieu, fais-les sortir du séjour des morts. Et guéris-les. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions, Seigneur Jésus, d'avoir compassion d'eux. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir compassion d'eux. Nous te prions, Elohim, d'avoir compassion de tes serviteurs, de tes servantes. Et de leur faire grâce. Et de leur faire grâce, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, visite-les. Saint-Esprit de Dieu, visite-les. Elohim, visite-les. Adonai, visite-les. Je te prie, Seigneur Jésus, de les visiter. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de les visiter. Je te prie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de les visiter, de leur accorder ta grâce. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de leur accorder ta grâce. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur Jésus. Fais-le grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, guéris-les. Oh, manifeste tes prodiges et tes miracles au travers d'eux. Souviens-toi de Moussa. Souviens-toi de sa femme. Souviens-toi de toutes ces personnes qui sont frappées du VIH-Sida, qui sont frappées du cancer, qui sont frappées, éternel mon Dieu, mon roi, de l'insuffisance rénale, qui sont frappées d'AVC, qui sont frappées, éternel mon Dieu, mon roi, de la cause, qui sont frappées de la drépanocytose, qui sont aveugles, Seigneur, qui sont là alités et qui n'espèrent qu'en toi, qui ont les yeux rivés vers toi, qui souffrent dans leur chair. Seigneur, toi seul peux les aider. Toi seul as la capacité de les guérir. C'est pourquoi nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions de te souvenir d'eux. Oh oui, Seigneur. Nous te prions. Ensemble. Seigneur, fais grâce. Père éternel, fais grâce. Visite les puissants, mais guéris-les. Dieu de miracle. Dieu de guérison. Toi qui pouvais dire dans le livre de Jean 6, au verset 1 à 2. Oh oui, toi, Seigneur, qui opérais divers miracles au travers d'Israël. Seigneur, opère le miracle dans leur vie. Opère la guérison dans leur vie. Opère des prodiges dans leur vie. Et guéris tes serviteurs. Oh Seigneur, guéris tous ceux-là. Seigneur, qui sont dans la force, qui sont dans la tombe et qui crient à toi, qui n'espèrent qu'en toi, qui dans les heures, qui dans les jours qui viennent, vont perdre la vie, vont rendre l'âme. Seigneur, nous te prions de te souvenir d'eux. Elohim, Adonai, nous te prions de te souvenir d'eux, de les visiter, de les guérir. Seigneur Jésus-Christ, visite-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, prends le livre de Daniel 2, versets 21 à 24, à 23, pardon. Daniel 2, versets 21 à 23. On va voir quelque chose d'extraordinaire. Amen. Cette prière-là, c'est pour développer aussi ton don de vision et ton don de songe. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu finis la prière nocturne, ou tu es dans un moment de jeûne, prie avec ce Saint-Pétain. Daniel 2, versets 21 à 23. Alléluia. En le faisant, le Seigneur va te révéler de grandes choses. Ah oui, 21 à 23. Attendez d'abord que tout le monde trouve. C'est bon, tout le monde est là. C'est bon, tu es arrivé. Daniel 2, versets 21 à 23. Je lis la parole au nom de Dieu. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est là qu'on dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. C'est dans le livre de Daniel 2, verset 21. Amen. Qui renverse et qui établit les rois. Alléluia. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. Il révèle
ce qui est profond et caché. Amen. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Alléluia. Et la lumière demeure avec lui. Amen. Dieu de mes pères. Dieu de mes pères. Je te glorifie. Alléluia. Et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Amen. Et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Amen. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut lire une seconde fois. Daniel 2, versets 21 à 23. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Qui renverse et qui établit les rois. Amen. Qui donne la sagesse. Prends ton temps, prends ton temps. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Il ne faut pas te presser. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Et les circonstances. C'est audace, ça. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Qui renverse et qui établit les rois. Voilà. Qui donne la sagesse. Au sage. Amen. Et la science à ceux qui ont des intelligences. Alléluia. Il révèle ce qui est profond. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit que le Seigneur révèle ce qui est profond et caché. Amen. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière. Vous, pas des songes, pas des visions. Prenez ce passage de Daniel 2, versets 21 à 23. Vous voulez connaître l'état spirituel de quelqu'un? Prenez Daniel 2, versets 21 à 23. Vous voulez connaître l'état spirituel d'un pasteur? Amen. Prenez Daniel 2, verset 21 à 23. Vous voulez connaître l'état spirituel de quelqu'un qui vous demande un mariage? Prenez Daniel 2, verset 21 à 23. Vous voulez connaître l'état spirituel de quelqu'un qui veut faire affaire avec vous, qui vous a fait des propositions? Prenez Daniel 1 sous lit. Elle va commencer à appliquer ça. Elle s'est dit, tiens. Je les attrape aujourd'hui là. Je vais demander l'état spirituel de chacun d'eux. Alléluia. Amen. Vous voulez connaître l'état spirituel de quelqu'un qui veut faire affaire avec vous? Prenez Daniel 2, verset 24 à 23, et demandez au Seigneur l'état spirituel de la personne et le devenir de cette relation. Amen. Le monde va chez les marabouts pour connaître l'avenir. Amen. Le monde va chez les féticheurs pour connaître l'avenir. Le monde va chez les charlatans pour connaître l'avenir. Vous voulez connaître l'avenir? Prenez Daniel 2, verset 21 à 23. Seigneur, qu'est-ce que tu me réserves dans les jours à venir? Prends Daniel 2, verset 21 à 23. Qu'est-ce que tu me réserves dans ce ministère? Prenez Daniel 2, verset 23. Quel est mon appel? Prends Daniel 2, verset 21 à 23. Quelle est ma feuille de route? Prends Daniel 2, verset 21 à 23. Amen. Alléluia. Je lis dans ma version. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Tu veux la sagesse aussi? Demande au Seigneur au travers de Daniel 2, verset 21 à 23. Alléluia. Tu veux aussi la force? Demande au Seigneur sur la base de Daniel 2, verset 21 à 23. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà ce qu'on va faire ici. La prière qu'on va faire consiste à ce que le Seigneur se révèle à tous ceux-là qui seront dans les 40 jours de jeûne et dans les 21 jours de jeûne. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Prenons Job 33, verset 14 à 15. Tu vas voir quelque chose là aussi. Job 33, verset 14 à 15. Vous y êtes? Job 33, verset 14 à 15, à la même essence que Daniel 2, verset 21 à 23. Amen. Tu veux connaître l'avenir? Tu veux que le Seigneur te montre l'état spirituel de quelqu'un? Quelqu'un, je te dis tout à l'heure, te demande un mariage. Tu veux connaître son état spirituel et quelles sont ses intentions? Tu peux prendre aussi Job 33, verset 14 à 15. Tu veux réaliser un projet? Amen. Tu veux le soumettre au Seigneur Jésus-Christ? Tu ne sais pas s'il va marcher ou pas? Tu peux prendre Job 33, verset 14 à 15 ou Daniel 2, verset 21 à 23. Alléluia. Amen. Tu veux marier une femme, tu ne la connais pas spirituellement, tu peux prendre aussi Job 33, verset 14 à 15. Alléluia. Amen. Tu veux connaître l'état spirituel de ton pasteur, tu peux prendre Job 33, verset 14 à 15. Alléluia. Quelqu'un veut faire une affaire avec toi, il te propose une affaire qui semble être alléchante, mais tu es sceptique, ou même tu crois que ça va marcher, mais avant, prends Job 33, verset 14 à 15. Et Dieu va se révéler à toi, il va te parler. On n'a pas besoin d'aller voir une lanceuse de colis.
On n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un qui lit les boules. On n'a pas besoin de voir quelqu'un qui va faire comme ça. Niam, 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 niaka, 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 niaka. Alléluia. Non, tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, on va demander au Seigneur sur la base de Daniel 2, versets 21 à 23, et sur la base de Job 33, versets 14 à 15, qu'il se révèle à nous. Mais avant, j'aimerais qu'on lise Job 33, versets 14 à 15. Vous allez voir, il y a un mystère qui est derrière. Amen. Alléluia. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, non mis en regard. Amen. Il parle par des songes. Alléluia. Par des visions nocturnes. Amen. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Amen. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il dit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on lui prend garde. L'un des moyens par excellence par lesquels le Seigneur nous parle, à part la Bible, ce sont dans les songes, les visions et les signes. Alléluia. Amen. Et donc nous devons apprendre à lire les songes et les signes. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Vous détectez l'état spirituel de quelqu'un, gars qui a écouté ses songes, gars qui a écouté ses visions. Et vous saurez qu'est-ce que la personne traverse, la situation dans laquelle il est, ce qu'il vit. Amen. Évidemment, si vous voyez par exemple quelqu'un qui est dans les eaux, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se voit constamment dans les eaux, qu'est-ce que ça veut dire? Nicolas. Ça, tu t'appelles Nicolas. Ça fait bien t'aider. On va t'appeler Nicolas maintenant. Alléluia. Nicolas, quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui se retrouve constamment dans les eaux, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, moi, je dis que cette personne soit les dans les avions. Amen. Alléluia. Effectivement, c'est ça. C'est que la personne, depuis son bas âge ou dans le sein de sa mère, a été consacrée aux esprits des eaux. Donc, alliance avec les eaux. Alléluia. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un dans un songe qui se retrouve en train d'être poursuivi par des chiens, ça veut dire quoi? Oui, Nicolas. Il est en train d'être poursuivi par des chiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est lié à quoi? C'est lié à la sorcellerie. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un en train de manger dans ses rêves, en train de boire dans ses rêves, en train de faire la fête, il est tout le temps en fête. Quand il est en train de manger, il boit, il aide des gens, il ne connaît pas, mais il fait la fête. C'est quoi? Michel. C'est la sorcellerie. Super. D'accord. Et quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui s'envole, il y a un danger puis il s'envole, ça veut dire quoi? Cette personne représente quoi? Non, non, ce n'est pas l'esprit des eaux. Il y a un danger et puis la question s'envole. Je n'ai pas dit l'esprit des eaux. Hein? Je dis que c'est ton esprit élevé qui fait qu'il s'envole. D'accord, mais qu'est-ce qui lui permet de s'envoler? Merci. C'est le Saint-Esprit qui lui permet de s'envoler. Spirituellement, tous les enfants de Dieu ont des ailes. Et quand le danger arrive, toi, tu n'es pas en train de pratiquer la sorcellerie. Le Seigneur t'a donné ces ailes-là, ces deux ailes, comme dans le livre d'Apocalypse 12. Pour t'envoler lorsque le danger arrive. Et puis tu disais, j'ai eu le son où des buffles étaient en train de me poursuivre. Et puis à un moment, je me suis envolé. Oui, parce que Dieu t'a donné des ailes. Amen. Et quand le danger arrive, comme un papillon ou comme un aigle, tu dors, tu disparais. Alléluia. Amen. Et quand tu fais un rêve et que tu te retrouves le plus souvent dans des forêts, et tu n'arrives pas à sortir, que dans les forêts, tu cherches à t'en sortir, c'est coincé, c'est comme un labyrinthe. C'est le blocage. C'est le blocage, mais c'est lié à quoi? À la prison. La personne était consacrée à quoi? À une forêt sacrée. Amen. Dans son village paternel ou maternel, il y a l'adoration des forêts sacrées. Et lui, ils l'ont dédié à la forêt là. Amen. Et donc, il doit finir comme féticheur, comme danseur de masque, comme adorateur de ces esprits là. Et quand tu ne fais pas ce que ses pères ont dit de faire, toute sa vie, comme tu l'as dit, blocage, perpétuel recommencement, limitation, problème sur problème, célibat, échec, divorce. Parce que son âme n'est pas sortie de la forêt. Alléluia. Amen. Et quand tu te retrouves sur une estrade en train de parler à des milliers de personnes ou à des centaines de personnes, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que tu as un appel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Vous avez compris, non? Job 33, verset 14 à 15 dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais comme beaucoup n'ont pas le discernement, les songes et les visions, ça fait que c'est possible. Mais je me suis envolé. Mais tu sais, je suis envolé. C'est la suite de passer, mais je suis sorcier. Je ne peux pas s'envoler. Dis que je me suis envolé là.
vont dessus son sillon et parle pas. Non, c'est une grâce. Le Seigneur a permis que tu t'échappes à les deux ailes qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et donc, on va demander au Seigneur, toi, si tu peux prier pour toi, si tu n'as pas de don de songe ou de vision, ou bien si on te l'a volé, tu peux utiliser aussi Daniel 2, verset 21 à 23, ou Job 33, verset 14 à 15. Alléluia. Amen. Donc, on va demander au Seigneur, pour tous nos bien-aimés qui font les 40 jours de jeûne, qui font les 21 jours de jeûne, que le Seigneur se révèle puissamment à eux par des songes, par des visions, par des signes, par des révélations. Ceux-là dont l'ennemi avait volé les dons de songes et de visions, que le Seigneur restaure les dons de songes et de visions. Alléluia. Toi aussi, si tu veux savoir quelque chose sur ta vie, sur la vie de tes parents, sur ton devenir, sur quelqu'un, pendant la prière, demande au Seigneur de te révéler l'état spirituel de cette personne ou de cette tierce personne-là. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Père éternel, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous les élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de te révéler à toutes tes bénis. Seigneur Jésus, révèle-toi. Seigneur, nous qui avons perdu nos dons de songe et de vision, nous te prions de te révéler à nous et de restaurer nos dons, Seigneur Jésus. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de restaurer nos dons. Nous te prions, Abba Père, de restaurer les dons de tes serviteurs, de tes servantes. Oui, Seigneur Jésus, nous élevons la voix vers toi ce matin. Elohim, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions, Seigneur Jésus, de, Seigneur, restaurer nos dons de vision et de songe. Seigneur, par ricochet, nous te prions, Père éternel, afin que tu te révèles puissamment à tes serviteurs et à tes servantes durant, Seigneur, ces 40 jours de jeûne et ces 21 jours de jeûne. Seigneur Jésus-Christ, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de te révéler puissamment à tes serviteurs et à tes servantes pendant ces 40 jours, ces 21 jours de jeûne. Oui, Seigneur Jésus-Christ, visite-les puissamment. Adonai, visite-les puissamment. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, visite-les puissamment. Abba Père, visite-les puissamment. Et parle-leur par des signes. Parle-leur par des signes. Parle-leur par des visions. Parle-leur par des songes. Parle-leur, éternel, mon Dieu, mon roi, par des révélations. Oui, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, révèle-toi puissamment à eux. Conduis-les, Seigneur, pour ceux et celles dont les dons avaient été volés. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ceux et celles dont le don de vision ou le don de songe avait été volé pendant ces 40 jours de jeûne, pendant ces 21 jours de jeûne. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions de te révéler à eux. Oui, Seigneur Jésus, nous te prions de te révéler à eux. Elohim, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de te révéler à eux. Adonai, nous te prions de te révéler à eux. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de te révéler à eux. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour ceux qui veulent savoir l'état spirituel d'une tierce personne, révèle-toi eux et révèle leur état spirituel. Révèle-toi eux, Elohim, et révèle-toi et révèle leur l'état spirituel de cette tierce personne. Oui, Seigneur Jésus, nous élevons la voix vers toi ce matin. Adonai, nous élevons la voix vers toi ce matin. Abba Père, nous élevons la voix vers toi ce matin, afin que tu restaures les dons et les talents de tes enfants, que tu te révèles à eux puissamment lors, pendant ces 40 jours et ces 21 jours de jeûne. Oui, Seigneur Jésus, nous élevons la voix vers toi. Et nous te prions, Seigneur Jésus, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, puis de parler, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de parler à tes serviteurs, à tes servantes, par des songes, lorsqu'ils sont livrés profondément, dans leur sommeil, sur leur couche. Éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste ta puissance. Elohim, manifeste ta puissance. Adonai, manifeste ta puissance. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, manifeste ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, manifeste ta puissance. Adonai, manifeste ta puissance pendant ces 40 jours de jeûne. Seigneur, restaure les dons, Seigneur, de songes et de visions de tes enfants. Seigneur, bénis-les en les donnant de puissants dons de visions, de songes. Seigneur, donne-leur le don de vision de l'aigle. Donne-nous le don de vision de l'aigle. Donne-nous le don de vision de l'aigle. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous le don de vision de l'aigle. Adonai, donne-nous le don de vision de l'aigle. Abba Père, donne-nous le don de vision de l'aigle. Seigneur Jésus-Christ, manifeste ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta puissance au milieu de tes enfants. Manifeste ta puissance, Seigneur Jésus, au milieu de tes enfants. Oh, fais-nous voir ta gloire, Papa. Fais-nous voir puissamment ta gloire, Elohim. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Pendant ces 40 jours, ces 21 jours de jeûne, on va demander au Seigneur Jésus de doter ses enfants de sa puissance. Amen. De son autorité, de sa force, de divers dons et de divers talents qui leur permettront de faire son œuvre. Amen. Tu vas prendre le livre de 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 12, excusez-moi, versets 8 à 10. Amen. On va lire les différents dons. Amen. Que le Seigneur donne, amen, à ses enfants. Mais il y a des dons qui ne sont pas écrits, qui nous a révélés au fil du temps.
tels que le don de la création. Amen. Le don de la création, c'est par exemple, tu proclames une parole et cette parole vient à l'existence. Quelqu'un est sans emploi, tu lui dis, moi je déclare qu'avant la fin du mois de janvier, tu auras un travail. C'est le don de la création. Amen. Quelqu'un est stérile, tu lui déclares. Moi, je déclare qu'avant les 9 mois, tu vas procréer au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un a vu, tu déclares au nom de Jésus, je déclare que tu as la vue. Amen. Le don de la création est associé au don des prodiges et des miracles. Alléluia. Amen. Nous avons le don de l'amour. Amen. La compassion pour les âmes. Amen. Beaucoup de pasteurs n'ont pas la compassion pour les âmes. Quand ils voient les âmes, ils les voient comme des clients dont ils vont abuser financièrement ou physiquement. Amen. Oh, Dieu demande que nous soyons comme lui. Nous, c'est lui, nous, ses serviteurs. Nous devons avoir la compassion pour les âmes. Amen. Nous devons nous mettre à leur place. Amen. Alléluia. Déjà, les âmes sont chétives. Ils vont prendre le lait, ils vont prendre le lait, ils vont prendre la graisse. Amen. Alléluia. Au final, il n'y a plus rien à prendre sur la brebis. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Alléluia. Allez voir. Oui, elle lui demande de servir son feu, elle veut lui passer son feu. Vas-y, un peu de doigt. Elle est gentille, elle a compassion. Ah, c'est tout, tu as le don de l'amour, ma fille. Tu es comme tes parents. Tu n'es pas comme le voisin. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 10, 12, verset 8 à 10. C'est bon, vous avez trouvé? D'accord, quelqu'un peut nous partager? Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas le don que tu veux. Tu peux demander 3 dons, 4 dons, tu peux demander tous les dons. Mais quand tu les demandes, n'oublie pas que Dieu qui sonde les reins et les cœurs, c'est le but pour lequel tu lui demandes ces dons-là. Est-ce que tu lui demandes pour avoir la gloire, pour t'enfler, pour dire oui, tu as l'onction, tu as la puissance, oui, c'est toi la servante de Dieu tant, c'est toi le serviteur de Dieu tant, ou bien tu lui demandes véritablement pour servir cette vie. Alléluia. Quel est le but pour lequel tu veux le don de vision? C'est pour jouer le combien? Aller vendre ce talent-là. Ah, c'est toi qui as le don de vision. Hein? Bon, servant de Dieu, j'ai un projet là. Je voudrais que tu pries pour que le Seigneur te révèle par vision ou par son, ce que ça a donné. Bon, donne 100 000 d'abord. Alléluia. Amen. Tu as un puissant don de guérison. Quelqu'un est malade, on t'appelle. Homme de Dieu, s'il te plaît, mon père est malade. Est-ce que on peut venir te voir pour qu'on prie pour lui? Tu pries pour lui? Oui, il peut venir. Mais avant de venir là, c'est 250 000. Hein? Dès que vous faites ça, le Saint-Esprit vous abandonne. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement, donné. Alléluia. Amen. Rien n'est à vendre dans l'œuvre du Seigneur. Je vous dis, rien n'est à vendre. Si l'âme a été touchée, qu'elle veut faire un geste, elle fait un geste. Mais vous n'allez pas marchander les dons et les talents du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il vous l'a donné gratuitement. Ou parce qu'il vous les a donnés gratuitement. Je me rappelle que dans le temps, à l'époque, le Seigneur m'avait dit, le jour où je vais te quitter, ce sera parce que tu auras commencé à vendre mes dons, mes talents. Le jour où tu t'amuses à vendre un seul, c'est-à-dire on t'appelle et puis tu marchandes. Bon, je vais venir, mais écoutez, moi, comme j'ai trop plein d'onction, moi c'est 500 000. Tu fais ça, je te quitte. Alléluia. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu est faite sous le sceau de la gratuité. Amen. Tel le Seigneur nous a donné ses dons, ses talents gratuitement, tel nous devons les mettre en exergue gratuitement. Le Seigneur lui-même saura comment nous bénir. Amen. Pas besoin de vendre quoi que ce soit en Christ. Alléluia. Amen. Il a dit aux Israélites, il a dit, la maison de mon père est une maison de prière, mais vous en avez fait une maison de voleurs. Alléluia. Amen. Et donc, tous ceux qui vendent quoi que ce soit en l'œuvre de Dieu, c'est des voleurs et non pas le Saint-Esprit. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on a compassion des âmes. On se met à la place des brebis du Seigneur. On ne les regarde pas pour dire, bon, celle-là, bon, comme elle est grosse, moi, elle a l'argent. Bon, lui, comme il est mince, il n'a pas l'argent. Bon, lui, là, comme il a vraiment, il est bien habillé, il est bien parfumé. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne fait pas les choses sur la tête des enfants de Dieu pour dire, bon, lui, il semble être riche, donc je vais monter les enchères. Bon, elle semble être pauvre. Non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui font ça, Dieu a un grand jugement contre eux. Un grand jugement contre eux. Amen. Je me rappelle, on a une dame, je crois que c'était en début d'année. Moi, fou l'année dernière, je ne me rappelle plus bien. On a une dame qui était venue me voir. Une maman, hein, une maman qui peut avoir 70 ans, qui étant, bon, peut-être 65, 70 ans, qui étant là, mais qui m'a dit, homme de Dieu, je suis allé voir un homme de Dieu à Abidjan. Et au secrétariat, on m'a demandé de verser 10 000 pour la réception. J'ai pleuré, j'ai dit, j'ai pas d'argent. Et c'était deux dames, deux mamans.
Et la secrétaire a dit, si vous ne payez pas les 10 000, l'homme de Dieu ne vous recevra pas. Elles ont demandé pardon, pardon, pardon. La dame a dit, la secrétaire a dit ici, là, c'est comme ça. Hein. Si tu ne payes pas, tu ne reçois pas. Ils n'ont même pas même t'écouter même pour dire chose. Donc ils ont pleuré, pleuré, allé voir le patron. Elle n'avait pas appelé l'homme de Dieu. Il a dit, bon, prends 5 000 avec elle. Et pour 5 000 francs de la dame qui devait servir à son retour, elle a, le monsieur a pris ça, la secrétaire a pris ça. Mais là, quand elle est rentrée dans le bureau du pasteur, elle n'a même pas eu le temps de lui expliquer. Il a dit, bon, voilà. Et puis il prend une feuille, comme un médecin. Il lui fait une ordonnance pour d'acheter de l'huile, des bougies, du savon, des choses et tout ça. Et puis maintenant, à la fin, là, il met 80 000. Et à l'homme de Dieu, il dit, mon fils, même là, regarde, j'ai mis plus de 2 heures à demander pardon pour qu'on me reçoive. J'avais 5 000. J'ai tout donné mon argent. J'ai même pris les transports pour me continuer. Et vous me faites une facture de 80 000 francs. Je suis pas venu faire médecin. Je suis venu voir l'homme de Dieu. Il dit, maman, si tu ne fais pas ça, là, Jésus ne va pas te guérir. Elle est partie en plein chez elle. Alléluia. Elle allait gouler, elle a eu, je crois, la moitié. 40 000 ou je ne sais pas combien. Elle a appelé. Il dit, il ne prend pas tant qu'elle n'a pas les 80 000. Elle a fait, elle s'est endettée. Elle a reçu, elle a eu l'argent, elle a lui donné. Il a fait tous ses salamalek là. Zéro. Alléluia. Et c'est après qu'il a gurgé qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'est fait escroquer. Mais elle a gardé son cœur et elle a dit, elle ne va plus jamais aller à l'église. Elle n'aura plus jamais confiance au Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas le Seigneur Jésus qui l'a nargué. C'est un individu. La Bible dit quoi? Malheur à celui qui place sa confiance en un homme. Amen. Ce n'est pas en Christ qu'elle a placé sa confiance. C'est en un homme. Les hommes sont faillibles. Seul Dieu est faillible. Alléluia. Et Dieu maudit ce genre de personnes qui utilisent sa parole et qui utilisent son nom pour abuser des brebis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une abomination, c'est une malédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi les dons que le Seigneur va te donner, je t'en prie. Quand le Seigneur va te remplir d'onction, ne vends jamais les dons et les talents que le Seigneur va te donner. Si tu fais ça, l'Esprit de Dieu, c'est un gentleman. Quand il vient avec beaucoup de lui, mais quand il te quitte, c'est silencieux. Tu ne t'en rends même pas compte. Amen. Tu crois qu'il est là, mais malheur à toi quand tu meurs sans t'être réventi. Voilà, tu vas le rencontrer au carrefour de la mort. Il va te dire continue ton chemin. Tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas rentrer chez moi. Alléluia. C'est pourquoi, s'il y a un don particulier que tu aspires à avoir, dis-lui que tu veux tel don. Amen. Je te le dis en vérité, en vérité. Si tu es sincère dans ta prière, pendant que tu seras en train de demander ces dons, ces talents, Seigneur, il va te remplir de feu. Ça peut être le don de guérison, ça peut être le don de vision, ça peut être le don de songe, ça peut être le don de la création, ça peut être le don de la fécondité. Alléluia. Ça peut être le don de la réconciliation. Amen. Le don de la réconciliation, c'est ceux-là qui, quand les personnes sont en discorde, quand ils viennent, ils tranchent l'affaire avec une grande sagesse. Alléluia. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour ça. Il y a des gens à qui Dieu a donné ce don-là. Amen. Quand il y a un problème quelque part, aussi grave qu'il soit, même s'il y a une meurtre, mais quand il parle, tout le monde est unanime que ce qu'il a dit là, c'est la sagesse de Dieu. C'est le don de la réconciliation, ou le don de la conciliation. Alléluia. Le don de la fécondité, c'est le don qui permet par exemple aux hommes, aux femmes de prier pour des personnes, pour des couples qui sont stériles. Alléluia. Amen. Vous avez le don des prodiges, vous avez le don des miracles, vous avez le don d'interprétation des songes ou des visions. Amen. Vous avez le don de songes ou des visions. Amen. Quelqu'un est là, il prie, et là, en même temps, science tenante, il peut avoir 5, 10, 15 songes, ou 5 visions, science tenante. Ça fait tac, tac, tac. Il a une pièce de seconde de vision. Mais quand il vous explique, il est là comme ça, il a une vision. Il fait ça comme ça. Le fait qu'il cligne des yeux, qu'il les ouvre, il a une vision qui peut faire 30 minutes. Alléluia. Puis, voilà arrivé. Amen. Alléluia. Vous avez le don de prophétie, le don de sagesse. Amen. Vous avez le don de l'évangélisation. Amen. L'éloquence. Dieu a donné l'éloquence à les personnes. Quand il parle de lui, c'est la puissance de Dieu. Tu vois qu'il y a du feu dans ce qu'ils disent. Amen. Et ça brise les chaînes de l'incrédulité. Amen. Alléluia. Vous avez quel don encore? Vous avez le don du parler des langues. Le don d'interprétation du parler des langues. Alléluia. Amen. J'ai parlé du don de l'amour ou du don de compassion. Amen. Et donc, vous avez plusieurs dons. Il y a des dons qui ne sont pas marqués ici. Voilà. Alors, vous avez le don du discernement des esprits. Vous avez aussi le don du discernement de la présence de Dieu. Amen. Quand Dieu est quelque part, quand une prophétie est sonnée, vous pouvez savoir si c'est la signature de Dieu ou si c'est un démon qui parle. Parce qu'il y a des démons qui usurpent le titre. Hein, certaines qualités de Dieu. Pas les titres, mais ils vont donner des révélations comme si c'était Dieu. Avec même des références bibliques. Mais quand vous entendez, vous sentez qu'il n'y a pas de connexion entre vous et l'esprit. Amen. Plusieurs fois, Satan s'est révélé à nous
en se faisant passer pour le Seigneur Jésus. Amen. Parlant avec sagesse et tout ça, avec connaissance biblique. Mais quand on a coincé dans la sainte doctrine, il n'a pas piqué. Quand on lui a demandé, par exemple, il y a combien de trônes au ciel, il dit, mais il y a trois trônes. Or, au ciel, il n'y a qu'un trône. Celui de Jésus qui est Dieu. Qui est Dieu, qui est Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est Fils et qui est le Saint-Esprit. Quand il a demandé, est-ce qu'on célèbre la Noël? Il a dit, on célèbre la Noël. Quand il a demandé de nous montrer la Bible, il a commencé à arriver, il dit, vous êtes les gars, vous êtes des jeunes, mais avec un esprit de vieux. Alléluia. Amen. On est arrivé à un stade où le Seigneur a dit, c'est maintenant là, le diable ne peut plus vous avoir au travers de la parole. Maintenant, il va chercher d'autres moyens. La séduction, la division, les murmures, les calomnies, la jalousie. Et aujourd'hui, c'est ce que le diable utilise. Amen. Comme il sait que quand il se présente à nous, et qu'on lui dit, bon d'accord, c'est toi Jésus, il n'y a pas de problème. Bon d'accord, dis-nous. Le verset qui dit que, je ne sais pas moi, que la femme peut être pasteur. La femme peut être pasteur, il dit oui, la femme peut être pasteur. Bon d'accord, donc le passage qui dit que la femme peut être pasteur. Il réfléchit, et il dit, bon les gars, je m'en vais, c'est bon. Alléluia. Amen. Donc tu vas demander un don ou un talent particulier au Seigneur. Et tu vas lui dire le but pour lequel tu veux ce don-là. Tu veux le lever, pourquoi? Est-ce que tu es prêt à aller évangéliser, aller dans les rues, dans les marchés, dans les agora, dans les gares de bus, dans les gares de train, dans les gares de bateau-bus pour parler de lui? Ou bien tu prends ça pour, quand c'est à l'église, tu fais un peu le malin, tu te fognons, voilà, tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie, elle dit, il y a l'onction, hein, comme ça. Hein? Ou bien c'est vraiment parce que tu veux le servir. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions. Père éternel, il est dit dans ta parole, selon les livres de 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, ceci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, des dons de guérison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul, le même Esprit. Opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. En effet, comme le corps est un tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Seigneur, pendant que tes serviteurs, tes servantes sont en train de prier, je te prie de les remplir de feu maintenant. Adonai, pendant que tes serviteurs, tes servantes sont en train de prier, je te prie de les remplir de feu. Du feu de l'évangélisation, du feu des guérisons, du feu des prodiges et des miracles, du feu de parler des langues et leur interprétation, du feu des songes et des visions, du feu éternel, mon Dieu, mon roi, du don de l'amour et de la compassion, du feu du don de la réconciliation, du feu éternel, mon Dieu, mon roi, de la sagesse, du feu de la prophétie, du feu de la révélation, du feu de la fécondité. Pendant que tu pries, je déclare que tu reçois ce don. Tu reçois les dons que tu as demandé au Seigneur. Pendant que tu pries, je déclare que ce feu-là descend sur toi à l'instant même. Que le feu du Seigneur Jésus descend sur toi à l'instant même. Tu reçois ce feu sur toi. Toi qui es dans les 40 jours de jeûne, toi qui es dans les 21 jours de jeûne, je déclare au nom de Jésus que ce feu descend sur toi. Que ce feu à l'instant même descend sur toi et t'embrase. Embrase tes mains. Embrasse tes pieds, embrasse tes yeux, embrasse ta tête, embrasse ton cœur, embrasse ton âme, ton corps et ton esprit. Tu reçois le feu de la guérison dans tes mains. À l'instant même où je parle au nom de Jésus, lève-toi et tends les mains. Tu reçois le feu de la guérison. Tu reçois à l'instant même le feu de la prophétie. Désolé. Tu reçois à l'instant même le feu des prodiges et des miracles. Tends les mains, le Seigneur va te remplir ce matin. Tu reçois le don, comme tu as demandé le don de vision, le don de songe. Comme tu as demandé le don de vision, le don de songe, je déclare au nom de Jésus, tu vas sentir du feu dans tes mains. Tu vas sentir du feu dans tes mains. Ce feu, c'est le feu de la guérison. C'est le feu du don des guérisons. Tu vas recevoir le don des miracles et des prodiges. Comme tu l'as demandé, tu le reçois à l'instant même. Comme tu l'as demandé, je le reçois à l'instant même. Comme tu l'as demandé, je le reçois à l'instant même. Comme tu l'as demandé, tu le reçois à l'instant même. Nom de Jésus. Ce feu embrasse tes mains. Ce feu embrasse tes mains. Ce feu embrasse tes mains. Le feu des guérisons embrasse tes mains. Le feu de l'amour embrasse ton cœur. Le feu des prodiges embrasse tes mains. Le feu des miracles embrasse tes mains. Maintenant même, tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Tu reçois ces dons-là maintenant même. Tu reçois ces dons-là maintenant même.
Tu reçois ces dons-là maintenant même. Tu reçois ces dons-là maintenant même. Tu reçois le don des prodiges et des miracles. Tu reçois le don des guérisons dans tes mains, 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 au nom de Jésus. Tu reçois le don de la compassion des âmes. Tout ce que tu as béni, à veiller sur les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas sentir comme du feu dans ton cœur. Tu vas sentir comme du feu dans ton cœur. Tu vas sentir, toi qui as appelé à veiller sur les brebis du Seigneur Jésus-Christ, toi dont le Seigneur a donné un poste d'autorité dans son Église, tu vas sentir comme du feu dans ton cœur. Tu vas sentir comme si quelqu'un était en train d'enlever quelque chose et remplir ton cœur de paix, de compassion, d'amour à l'égard de ces brebis. Tu reçois ce don maintenant. Tu reçois le don de l'amour. Tu reçois le don de la compassion. Tu reçois à l'instant même le don de l'amour et le don de la compassion. Toi qui as appelé à marier un homme de Dieu, toi aussi le Seigneur te donne ce don. Toi qui as appelé à marier un homme de Dieu, le Seigneur te donne le don de l'amour et le don de compassion, afin que tu aies de la compassion pour les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Afin que tu aies de l'amour pour les brebis du Seigneur Jésus-Christ. À l'instant même, tu reçois le don de l'amour. Tu reçois le don de compassion dans ton cœur. Tu vas sentir une grande paix dans ton cœur. Tu vas sentir comme du feu dans ton cœur. Tu vas sentir comme du feu dans ton cœur. Tu vas sentir comme de l'amour. Tu vas sentir une grande paix. Une grande paix, une grande quiétude dans ton cœur. Le Seigneur t'envahit à l'instant même de sa paix. Elohim t'envahit à l'instant même de son amour. Le Saint-Esprit envahit ton cœur de compassion. Afin que tu ne sois pas une mauvaise femme. Une femme méchante pour les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Afin que tu ne sois pas une femme acariate. Dure à l'égard des brebis du Seigneur Jésus-Christ. Mais que tu sois rempli de compassion. Rempli d'entrailles, d'amour, d'entrailles pour l'œuvre du Seigneur, pour les brebis du Seigneur, et que tu ne donnes pas de mauvais conseils à ton mari. Regarde, le Seigneur donne, il remplit ton cœur d'amour. Toi qui es appelé à marier un homme de Dieu, tu reçois cette portion. Tu reçois cette portion de la grâce du Seigneur. Toi aussi, serviteur de Dieu, ton cœur te remplit d'amour. Le Seigneur te remplit d'amour, de compassion, d'entraide, d'entrailles pour son œuvre, pour ses brebis, pour ses élus. Nom de Jésus! Regarde, le Seigneur te donne maintenant le don d'évangélisation. Tu vas sentir comme du feu sur ta langue et du feu dans tes pieds. Tu vas sentir du feu sur ta langue et du feu dans tes pieds. Sur la base de 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, tu reçois maintenant le don d'évangélisation. Sur la base de Matthieu 28, versets 19 à 20, tu reçois le don d'évangélisation. Il a dit, allez dans toutes les nations et fais des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu reçois le don d'évangélisation. Tu vas sentir comme du feu dans tes pieds. Tu vas sentir comme du feu sur ta langue. Du feu sur ta langue. Lorsque tu seras en train de parler, ce ne sera pas toi, ni la chair, ni le sang qui seront en train de parler. Mais ce sera Elohim qui parlera au travers de toi. Ce sera le Saint-Esprit, Elion, qui parlera au travers de toi. Reçois le don d'évangélisation. 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 Dans tes pieds, sur ta langue. Tu vas sentir comme du feu sur tes pieds. Tu vas sentir comme s'ils sont en train de mettre des bottes à tes pieds. Du feu dans tes pieds, sur ta langue. Tu vas sentir du feu sur tes pieds et sur ta langue. Reçois le don d'évangélisation. Reçois le don d'évangélisation. Reste concentré, quelque chose est en train de se passer. Reçois le don d'évangélisation. Toi qui es dans ces 40 jours, qui n'avais pas encore reçu des dons et des talents, tu reçois le don d'évangélisation ainsi que le don, ce puissant don, sur ta langue et sur tes pieds. L'ange de l'Éternel te revêtit de chaussures de l'Évangile. L'ange de l'Éternel revêt tes pieds des chaussures de l'Évangile. Alléluia. Afin que tu ailles dans les villages, dans les hameaux, dans les campagnes, dans les campements. Afin que tu ailles en tout lieu, parler de lui avec force, avec sagesse, alléluia, avec zèle. Car il est dit dans sa parole, le zèle de ta maison me dévore. Le Seigneur te remplit de force. Le Seigneur Jésus te remplit de force. L'Esprit de Dieu te remplit de force. Le Saint-Esprit te remplit de force. Elohim te remplit de force. Adonai te remplit de force. Le Seigneur Jésus-Christ te remplit de force. Le Père éternel te remplit de force. Le Dieu infiniment saint te remplit de force. Yahweh Nissi te remplit de force. Toi qui as demandé le don de réconciliation. Toi qui as demandé le don de conciliation. Tu reçois le don de réconciliation. Le Seigneur te donne le don de réconciliation. Tu reçois le don de conciliation afin d'amener à la paix ceux qui étaient en guerre, afin d'amener à l'union ceux qui étaient divisés, afin d'amener à l'entente ceux qui étaient dans la mésentente.
tu reçois ce don. Regarde, tu reçois ce don. Nicolas, tu reçois ce don, le don de la réconciliation. Tu reçois le don de la réconciliation, le don de la conciliation. Tu reçois ce don. Michel, tu reçois ce don aussi. Marie, tu reçois ce don aussi. Vous recevez ce don. Rachel, tu reçois ce don aussi. Tu reçois ce don aussi. Vous recevez le don de la réconciliation, de la conciliation. Partout vous irez. Lorsqu'il y aura des divisions, lorsque vous allez parler, les gens verront en vous, non pas des simples personnes, mais des personnes remplies de sagesse. Vous recevez le don de la réconciliation. Vous recevez le don de la conciliation et de la réconciliation. Vous recevez le don de l'union. Vous recevez le don de la paix. Recevez-le. Recevez-le. C'est du feu sur vous. C'est du feu sur vos têtes. Recevez-le. Toi qui es prophète ou qui es prophétesse. Toi dont Dieu a donné depuis la nuit des temps le don de prophétie. Je reçois ce don de prophétie maintenant. Je reçois ce don de prophétie maintenant. Je reçois le 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 don de prophétie maintenant. Ton don s'active. Ton don s'active. Ton don s'active. Ton don s'active. Toi qui es prophète et prophétesse, tu reçois le don de prophétie. Tu reçois le don de prophétie. Tu reçois le don de prophétie. Et si tu l'avais, le Seigneur active. Il augmente ce don en toi. 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 Tu reçois le don de prophétie. Tu es saisi de là où tu es. Tu es saisi par la puissance de Dieu. Tu es saisi par la puissance de Dieu. Et tu reçois un puissant dans les prophéties. Tu reçois un puissant dans les prophéties. Ce feu s'attache à toi. Ce feu s'attache à toi. Ce feu s'attache à toi. J'augmente ce feu en toi. J'augmente le don de prophétie en toi. Ce don s'active en toi. Le don de prophétie s'attache à toi. Le don de prophétie s'attache à toi. Le don du ainsi dit l'Éternel s'attache à toi. S'attache à toi. S'attache à toi. Maintenant même, s'attache à toi. Toi, tu as le don de prophétie. Tu le reçois à l'instant même. Toi qui as le don de prophétie, toi qui es appelé à être prophète ou prophétesse de l'Éternel, tu reçois ce don à l'instant même au nom de Jésus. Reçois le don de vision. Reçois le don de songe. Reçois le don de vision. Toi dont les songes et les visions avaient été altérés par le péché. Aujourd'hui même, le Seigneur restaure ton don de vision et ton songe. Toi dont le don de vision et le don de songe. Seigneur te fait grâce, il reste dans ton don de vision de songe. Tu vas sentir comme du feu dans tes yeux. Tu vas sentir comme des picotements dans tes yeux. Le Seigneur est en train de restaurer ton don de songe et de vision. Elohim est en train de restaurer ton don de songe et de vision. Adonai est en train de restaurer ton don de songe et de vision. Le Seigneur t'accorde maintenant la capacité de voir dans le monde astral. Le Seigneur t'accorde maintenant un puissant don de vision. Toi particulièrement, tu reçois le don de vision de l'aigle. Ah, c'est un puissant don. Tu reçois le don de vision de l'aigle. Toi particulièrement, tu reçois le don de vision de l'aigle. Et tu le reçois à l'instant même. Toi qui es dans les 21 jours de jeûne. Toi qui es dans les 40 jours de jeûne. Toi qui as demandé ce don au Seigneur Jésus. Reçois-le. 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 Le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Et tu reçois un puissant dans le songe. Tu reçois un puissant dans les visions. Tu reçois un puissant dans les songes. Tu reçois un puissant dans les visions. Le Seigneur enlève les écailles qui sont dans tes yeux. Dans le livre de Jean, verset 21, il est dit que le Seigneur Jésus souffla de son esprit sur les apôtres. Et les apôtres ont connu la parole depuis le temps des prophètes jusqu'à leur temps. Toi aussi, tu reçois ce don. Tu reçois un puissant dans les songes et les visions. Le Seigneur souffle son esprit sur toi. Et tes yeux s'ouvrent maintenant. Tel il a fait en Jean 6, où il a pris de la boue, l'a malaxé avec sa salive et l'a mis sur les yeux de l'aveugle. Il a demandé à l'aveugle d'aller se laver. Et quand l'aveugle est revenu, il a vu. Le Seigneur augmente ta vue. Le Seigneur augmente ta vue. Ce don de vision, de songe, le Seigneur l'active maintenant dans ta vie. Le Seigneur l'amplifie maintenant dans ta vie. Nom de Jésus. Toi, tu reçois le don de la fécondité. Marie de Magdala, tu reçois le don de la fécondité. Michel, tu reçois le don de la fécondité. Vous êtes saisi. Vous êtes saisi, vous êtes saisi. Toute femme qui sera stérile, toute femme qui sera stérile, tout couple qui sera stérile, je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Il vous suffira simplement de leur poser la main au bas du ventre. Et je vous dis, 9 mois après, elles accoucheront. Michel et Marie de Magdala. Et toi qui m'entends, tu reçois ce puissant don. Sans don de la fécondité. Aucune stérilité ne pourra faire face à vous. Aucune stérilité ne pourra vous résister. Qu'elle soit médicale, qu'elle soit mystique, qu'elle soit venue toute seule. Je vous le dis, il vous suffira simplement d'imposer la main aux stériles, aux couples stériles. Et je vous le dis en vérité, ils enfanteront.
ils enfanteront, elles enfanteront. Oui, c'est là où la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel 2, verset 9, verset 5, s'accomplit. La femme stérile enfante 7 fois. Et le Seigneur pouvait dire, il n'y aura pas de stérile en Israël. Oui, ce don-là s'attache à vous. Ce don s'attache à vous. Ce don s'attache à vous. Le don de la fécondité s'attache à vous. Nom de Jésus. Nicolas, le Seigneur te donne le don de la force. Le don de la force. Il a dit dans sa parole que l'esprit que tu nous as donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance qui crie « Abba, Père !» Je reçois maintenant le don de la force. Je reçois le don de la force. Je reçois la puissance. Je reçois le zèle. Je reçois la force. Le Seigneur te donne encore plus de charisme. Nicolas, le Seigneur te donne d'être charismatique. Le Seigneur te donne plus de force, plus de puissance, plus de charisme dans son œuvre. Tu seras un modèle pour plusieurs, me dit-il. Tu seras un modèle pour plusieurs, me dit-il. Nicolas, tu seras un modèle pour plusieurs. Et ceux-là qui s'étaient moqués de toi hier vont venir te célébrer. Michel, toi aussi. Ceux-là qui se sont moqués de toi hier vont venir te célébrer. Le Seigneur vous restaure aujourd'hui même. Le Seigneur vous restaure aujourd'hui même. Tu prends cette grâce. Tu prends cette grâce. Nicolas, le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes. Michel, toi aussi, l'Esprit de Dieu essuie tes larmes. Il vous fait passer dans une autre dimension. Amen. Le Seigneur vous emmène à une autre phase. Alléluia. À une autre phase. Le Seigneur vous emmène à une autre stade de votre vie. Votre passage ici n'est pas en blanc. Votre passage ici n'est pas en vain. Alléluia. Le Seigneur prépare quelque chose dans le secret pour vous. Amen. L'Esprit de Dieu prépare quelque chose dans le secret pour vous. Elohim prépare quelque chose dans le secret pour vous. L'Esprit de Dieu prépare quelque chose dans le secret pour vous. Et ça commence maintenant. Amen. Et ça commence maintenant. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Recevez cette grâce particulière. Je vous le dis, au sortir d'ici, vous ne serez plus les mêmes personnes. Marie de Magdala, le Seigneur t'a pas fait venir en vain à cette heure, à cette heure. Vous avez rendez-vous à 10h, à 9h. Et l'émission devait commencer à 10h. Mais le Seigneur t'a fait venir à 7h, afin que tu profites de ce moment de prière, car il est grand pour toi. Et venir de te dire à l'instant même, les chaînes de l'échec, de la limitation, des blocages, sont brisées sur ta vie. Et me dire à l'instant même, les chaînes de l'échec, de la limitation, des blocages sont brisées sur ta vie. Amen. Et venir de te dire que la promesse d'élévation qu'il a faite sur ta vie, elle s'accomplit aujourd'hui même. Alléluia. Elle s'accomplit dans ta vie. Que tu le veilles ou pas, que tu le crois ou pas, elle s'accomplit dans ta vie. Amen. Et tu rentres dans ta grâce. Amen. Il te surprend ce mois de janvier. Il me dit, le mois qui commence, le mois de janvier, février, mars qui commence, sont des mois où il va te surprendre puissamment. Tu vas témoigner que Jésus est Dieu. Et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'égal. Qu'en dehors de lui, il n'y a plus personne. Il n'y a personne qui le vaut. Qu'en dehors de lui, il n'y a point de bénédiction. Il n'y a point de salut. Il n'y a point de restauration. Il n'y a point de grâce. Aujourd'hui même, le Seigneur te visite. Il te visite. Le trimestre s'achève. Il te fait rentrer dans tes grâces. Il te surprend. 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 Parce qu'il t'a trouvé fidèle à ses yeux. 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 Merci. Et que la sanctification demeure dans notre cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Amen.